Salut, c'est Aminata. Très contente de vous retrouver. À très bientôt. Allez, Paris. C'est bon. Je suis très contente, très fière de re-signer au Paris Saint-Germain. C'est un très grand club et en plus, personnellement, c'est mon club de cœur. Donc, c'est toujours avec un très grand plaisir que je signe mes contrats avec le Paris Saint-Germain. Très contente. Je suis partie à l'étranger. Après, j'ai énormément mûri pendant cette année-là. Voilà, en voyant ce qui se passe un peu à l'étranger, j'ai vu autre chose et j'ai pu comparer. Et puis, ça m'a fait vraiment grandir. Je reviens, on va dire, un peu différente, mais toujours avec ce même amour pour le Paris Saint-Germain. On va essayer d'apporter un peu cette expérience aussi de l'étranger. Et puis, après, c'est un groupe qui a grandi, voilà, qui a changé. Et il faudra s'adapter, venir humble et voilà, se refaire une petite place auprès de tout le monde. Et c'est sûr que les objectifs aujourd'hui sont encore plus élevés qu'avant. Et le but, c'est pas de gagner que le championnat, mais là, c'est de tout gagner, quoi. Moi, c'est de jouer le plus possible, d'apporter le plus possible à l'équipe, et puis d'être très performante, voilà. De continuer à progresser, et puis aussi essayer d'accrocher cette place pour l'Euro avec mon équipe nationale, et puis avec le Paris Saint-Germain, d'être la plus performante. Et la finalité, c'est les titres collectifs qui vont compter, mais individuellement, c'est d'être performante le plus de matchs possible, et jouer le plus possible. Je peux aller ailleurs et j'ai vu qu'on a des supporters, ils sont géniaux. C'est les meilleurs supporters en Europe et c'est vraiment ce que je pense. Ils sont vraiment top. Je leur dis qu'on a hâte de les retrouver dans les stades et de leur donner beaucoup de joie.